Alors, le bouton de lecture, là. Je vais voir dans sa palette de boutons. À la place de lecture, je vais demander reprise. Je vais tester pour voir si ça fait la même chose. Oui, au fait, je pourrais utiliser le... Peut-être... Plutôt que d'exporter à chaque fois, utiliser l'aperçu, l'interactivité EPUB. Ben oui, ça marche, hein. Vous n'avez pas besoin d'exporter chaque fois en fait. Donc vous avez un bouton lecture qui a lancé la lecture, vous avez un bouton pause qui est là. Quand on clique sur lui, rien ne se passe. Quand on clique sur reprise, ça marche. Du même endroit. Donc à la place de mettre une fonction lecture sur le bouton lecture, mettez une fonction reprise. Le bouton lecture a de l'intérêt si on veut que ça redémarre depuis le début, en fait. Oui. On pourrait même faire un troisième bouton reprendre depuis le début et lui mettre une fonction lecture. À ce moment-là, il ferait ce qu'il est censé faire. En fait, ce serait vraiment annoncer la bonne couleur, c'est-à-dire il reprend depuis le début. Oui, le bouton pause, on va le retravailler parce qu'il faudrait que quand on reclique sur le bouton pause, ça reprenne. Et ça, il faut absolument deux boutons avec un effet de bascule et on va les mettre au point. En tout cas, on a déjà une première chose ici, c'est que le bouton de lecture maintenant sert à reprendre de là où ça s'était arrêté. C'est quand même mieux.